Hey, tu peux m'aider financièrement gratuitement en allant sur ma page Utip qui se trouve dans la description de la vidéo. Allez, bon visionnage. Hey, salut tout le monde et bienvenue sur Francis Gaming. Excusez-moi, j'étais en train de régler le micro. On se retrouve donc pour un nouvel épisode sur SimCity. Bon, énormément de retard aujourd'hui. Bon, je crois que vous commencez forcément à avoir l'habitude, mais ce n'est pas normal que je sois autant en retard. Mais là, je suis en train de, bien sûr, d'y pallier et je vais essayer, bien sûr, de rattraper tout ce retard. Donc, nous nous retrouvons sur Lost Money, bien sûr. En même temps, je suis en train de regarder le match face à Manchester City, face à Wolves. Enfin, en direct, là. Donc, j'ai mon second PC qui est en train de faire tourner le match et moi, je suis en train de jouer, donc je me concentrerai bien sûr sur le jeu et non pas sur le jeu bien sûr, mais je vais regarder quelques fois un petit peu l'ordinateur, mais vous vous rendrez pas compte. Pourquoi? Parce que moi c'est comme si j'étais un professionnel, et bien comme je suis un pro, je sais pallier à ce problème. Bref, donc nous, est-ce que c'est des routes élevées celle-là? Pas du tout, c'est même pas des routes à densité élevée. Là non. Ok, est-ce que tout ça avenue avec tram? Hop. Sert à rien l'avenue avec tram. Parce que je compte pas mettre des tramways. En effet, je ne compte pas mettre les tramways. Et je voudrais regarder au niveau du système de la santé. On Sims blessé. Ok, attendez, je voudrais voir. 19 sur 40, tout est parfait. Nous sommes en train de perdre de l'argent, mais nous pouvons gagner encore plus d'argent. Là, je suis en train de réfléchir sur la probabilité d'une centrale nucléaire. Donc, il faudrait juste qu'on aille un peu plus vite et qu'on voie après qu'est-ce que ça va donner pour la centrale nucléaire. Nous avons d'énormes problèmes au niveau de la décharge. On a mis deux petits trucs comme ça. Est-ce que ça va suffire? Je ne sais pas. Alors, celui-ci, il a besoin de contrôle net. Est-ce que, par exemple, là, il n'y en a plus? Ouais, il n'y en a plus du tout. Donc, ça sert strictement à rien. Il nous faudrait beaucoup plus en termes d'école primaire. Ouais, parce que j'ai plus de place. J'ai plus du tout de place pour l'école primaire. Voilà, hop. Comme ça, on a une école primaire. On a plein de places. On a 950 plus les 500 ici. Ça nous fait plus les 550 ici. Ça nous fait un total de 950 plus 550. Faites le calcul. C'est facile. Ça fait 1500 de places. Oui. Oui. Ça fait pervers. En effet, bon, tous les élèves sont en train d'apprendre. Alors, on va regarder un petit peu au niveau de la popu. Plein de postes vacants. Hein. Ah ben moi, j'ai créé un niveau d'appartement. Oui. Et ici, on va commencer à faire plein. On va profiter de tout cet espace pour faire des mines ou faire de l'extraction à gogo. Alors ici je me rappelle que c'est du minerai et là c'est du charbon ici. Bon, au niveau du charbon on va pouvoir créer une petite route. Putain, elle m'énerve cette pente, c'est bon. Hop là, on va pouvoir mettre notre centrale à charbon parce que celle-ci elle commence à s'épuiser. Donc on va mettre notre minerai. Alors, il y a quelqu'un qui a déverrouillé la mine de charbon avancé, ce que je ne veux pas. Ça m'intéresse pas la mine de charbon avancé. Ah, il y a celle-là qui peut être intéressante. Non. Voilà, on fait le tour. On en met. Putain, on peut pas en mettre partout.
Ah, la galère. Ah putain, ça c'est chiant. C'est chiant ce genre de choses. Là. Oh putain, je me suis fait arnaquer. Bon, ça va, j'ai 1 milliard d'argent, mais... Ah, c'est de l'arnaque. Est-ce que je peux pas le mettre un peu plus? Par là, ouais. Est-ce que par là, ça marche? Oui. Parfait. On a de l'étonne ici. Ouais, on fait le tour. Ah bah voilà, là, j'ai de la place. Comment ça se fait que lui, je n'ai pas de la place? Putain, c'est à cause de ça. Mais c'est quoi, ce jeu? What? Pourquoi? Bon, c'est pas grave. Lost Money, une ville à pointe de la technologie. Si tu le dis. Donc au niveau du marché mondial, alors on va pouvoir aussi placer notre nouveau port commercial. Donc on a un port commercial qui se trouve ici, qui est extrêmement... Il est inutile. Il est extrêmement inutile. Parce qu'on a déjà des trucs de minerai ici. Et là on a alliage et tout. Donc moi je voudrais le mettre à côté du train. Pourquoi? Parce que si on le met à côté du train, ça va pouvoir nous servir énormément. Alors pourquoi pas créer un réseau ferré qui va aller jusqu'au milieu là. Ça pourrait être sympa. Donc tram, non je m'en fous. Moi je voulais le train. Voilà, celle-là. Donc, ici, là. Attendez, on va faire un petit truc comme ça là. Hop, ça passe comme ça. Et en plus, on sera à côté de la mer. Oh là 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 là, excellente idée, Francie. Excellente idée. Donc, on va mettre le port commercial. Ça me ferait chier de le mettre là quand même. Je ne sais pas. Quai de cargo. Bah là on peut le mettre. Gare de train. Oh, on peut le mettre hyper loin. Bon ça va. Hop. La magie. Plateforme. Oh ça c'est pas mal. Oh l'idée. L'idée de génie. On va la mettre là. J'ai tellement d'argent que je m'en fous. On va mettre alliage, métal, minerai, charbon. Alors, alliage, métal, minerai, charbon. Pas de plastique parce qu'on fait pas du pétrole. Et c'est tout. On n'en a pas besoin d'en mettre plus. Je vais casser cette résidence, malheureusement, c'est pas grave. C'est de l'argent. Faut penser à l'argent. Productivité. Argent. Et argent. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On exporte. On exporte. On exporte. On exporte. Tout est exportable. Bon, ici on ferme. Pareil, ici on ferme. Donc tous les trucs vont devoir aller ici. Mais... Me pose la question des bouchons. Est-ce que les bouchons vont... vont nous faire chier. Telle est la question. Il y a des gens qui l'ont acheté là ou pas l'alliage? C'est dommage qu'on peut pas mettre tout cet alliage dans un autre. Qu'est-ce qui se passe? Richesse améliorée ou ça? Ah oui, ici. Là aussi.
Ah, là aussi. Autant mieux. Bon, même si c'est pas très intéressant, mais tant mieux. Là, ils sont heureux, les gens. Oh, il y a une ville à côté de moi, j'avais pas remarqué. Va pouvoir casser ces trucs. Attendez, combien ça me coûte si j'active? 270. Celui-là. 270. On va voir combien il me coûte l'autre. 270 plus 270, ok. Ah mais non, je voulais savoir combien tu me coûtes toi. Toi tu dois me coûter encore plus cher. 3000! Ouais, mais toi t'as le plus grand stock. Ouais, non, mais c'est plus intéressant quand même ce machin. C'est sûr et certain. Et ici ça fait que de bouchonner, donc maintenant on est à côté, on a le train, on a le port. Donc c'est vraiment très intéressant. Hey! Il y a mon truc qui est cassé là. Pourquoi? Ah, c'est bon. Je le vois enfin, Pep Guardiola. Allez. On va regarder au niveau de la population aussi. Ben, j'ai encore de la population à gogo. Hein. Et j'ai trop de postes, moi. Alors, la criminalité gagne du terrain. Comment ça? Oh purée, par contre, le nombre de criminels, s'il vous plaît. Vite! La fraude. Au niveau maintenant, on va regarder si on peut pas mettre la... Ah, ça a augmenté. Je crois qu'on peut mettre, hein. Franchement, on pourrait le mettre maintenant. En plus, maintenant, on commence à avoir des trucs technologiques. Oh là là. Aspirateur. On a un laboratoire. On a un convoi qui s'en va. Un cargo. Un porte-conteneur. Donc on va pouvoir mettre notre centrale nucléaire. D'ailleurs, on a besoin d'électricité. Et moi, la centrale, je la mets ici. Pourquoi y a-t-il besoin d'un... Ah. Centrale nucléaire, donc. Ah, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a un problème avec le pénurie de ressources? Faudra qu'on extrait un peu plus de minerais. Hein. Donc on va créer notre centrale nucléaire. Go, électricité. Énormément d'eau, la centrale nucléaire. Donc il faudra que je regarde le débit. Ouais. Ouais, on va quand même l'augmenter si possible. Voilà, on a 300. C'est beaucoup mieux. On va mettre notre fameuse centrale nucléaire. Qui demande énormément d'eau. Voilà, 227, bam, ça s'est calmé. Ouais, une centrale nucléaire, ça demande énormément d'eau. Faut des travailleurs de qualité. Hein. Niveau d'études et études employées, sûr. Tant mieux. Voilà, nous avons notre première centrale nucléaire qui demande énormément d'eau. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'on peut avoir le réacteur à neutrons rapides. Qui va pouvoir produire tellement d'électricité. Bon, d'abord, on va regarder combien on produit. Capacité 500. Celle-là, elle me produit combien? 300 mégawatts. Oups. J'ai pas fait le bon calcul. Bonjour.
Il va falloir créer ça. Hop là. Un méga réacteur qui consomme énormément d'eau. Pouah, 800 mégawatts, 800 mégawatts d'électricité produite par cette centrale nucléaire. 540! Incroyable! Waouh! Incroyable! Vente d'eau. Bah, franchement, j'en ai pas forcément besoin. Mais waouh! Donc bon, tant mieux, tant mieux. Alors là, c'est complet. On a notre giga. On a le truc à neutrons. Et en tout cas, c'est bien parce que c'est sûr. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau de l'éducation, ça marche très très bien. Et qu'on n'a pas des employés débiles. 148 employés aussi, hein, c'est énorme. 500 employés ici. Ouais, ici, normal, il y a un centre commercial. Waouh. Il n'y a que 13 employés dans ce truc de port de commerce, alors que c'est pourtant la chose la plus importante dans notre ville. En tout cas, tout fonctionne au mieux. Donc, en tout cas, ben, nous, on se retrouve pour un prochain épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi. Allez, ciao tout le monde!